Yominos, c'est Maître Dragon. Et on se retrouve pour la suite de Pokémon Épée Bouclier, toujours en compagnie d'Amiral. Salut à tous. Alors vous n'allez pas le voir parce que en ce moment j'essaye de publier au moins un par jour, au moins. Donc c'est pour ça qu'on en fait à l'avance. Mais ça va faire au moins 2-3 jours qu'on n'a pas tourné. Parce que déjà de mon côté, c'était ça, surtout de mon côté. Parce que j'étais balade. Alors si j'avais une voix qui partait en couille, vous serez foutu de ma gueule dans les commentaires. Donc non. Donc je me suis dit, attendre d'être un petit peu plus en forme pour pouvoir commencer à avancer. Bon, le premier dresseur, toi je sais que tu l'as tapé. Donc ouais. On va commencer par le premier dresseur, nous. Allons-y. Je crois que le deuxième... Ouais. Le deuxième, je me le suis tapé sans faire exprès en off. Oh, ok, non, y'a pas de grave, y'a pas de grave. Un petit ballon roulant pour commencer la game. Un petit one shot pour commencer la vidéo. Ouais, bon, on va capturer un monsieur mime. Hein, pour, Mais pour par contre, compenser. Mine de rien, j'adore son évolution au final. Tellement bien. Mais ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de mime junior. Ah, en Galar, ça aurait été tellement bon, j'avoue. Mais là au final non, et son évolution au début je me suis dit ouais bof. Mais au final non, elle est trop bien. Elle est trop bien. On t'a mon deuxième petit dresseur. T'as une de ses tronches Montagnard? T'as qui, Stélix? Ouais, à mon avis tu dois avoir la capacité pour pas te faire one shot toi. C'est obligé. Donc on va y aller doucement avec un nitro charge. Voilà. Ah, il lance malédiction en plus. Si tu vas sur. C'était. Hop, on va lancer. C'est défense. La ouais, vitesse de Célix. C'est quoi qui monte quand il fait ça? Normal. Ah, il augmente sa défense normale. Est-ce que c'est du spé, mon attaque spéciale? Si c'est du spé, c'est bon ça. Ah non, c'est pas du spé, c'est du physique le ballon brûlant. Tant pis. Allez. Ah bah en plus, il évite mon ballon brûlant. Ok. Un petit couillon, toi. C'est quoi que t'as fait? C'est tunnel. Bah, Corvaeus, il aime bien les tunnels. Tiens. Notre Pokémon. Ah ouais, vu que j'ai monté tous mes Pokémon à peu près niveau 60. Ah, moi, ils sont 55. J'ai un peu XP quoi. Moi je les ai laissés à 55. Moi j'ai que Lansorien, Salarcène niveau 60, Gorythmic et Pandarbar niveau 59, Corvaeus 54 et Torgamore 51. D'accord. C'est vrai que moi je les ai pas du tout touché ça. Donc ouais, là je viens de voir, il est 51 mon Pokémon là. Ouais, mon plus fort il est 54, ouais c'est ça. Par contre ça va pas le faire, donc là toi tu commences à me saouler. On va te balancer crapustule. Une attaque sol, tu vas morfler. Tu vas pas me saouler longtemps. Puis si tu fais tunnel, tu sais que tu le prendras quand même dans ton tunnel. Machouille, ok. D'accord. Y'a pas de soucis, si tu veux jouer à ça, mon gars. Ouais, vous êtes chiant avec votre grêle, là. Eh, hey, laissez-moi tranquille avec la grêle. Tiens, allez, bouffe mon séisme. Non, là. Voilà, Alors, Monsieur Mime, Pokémon danse. Forme de Galar. Il produit de l'air glacial par ses pieds, enfin par les pieds. Après avoir fait geler le sol, il danse dessus toute la journée en faisant des claquettes. Ok. Cavalerie lourde. Oh. Par contre, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Il fait que 1m40. Ouais, c'est un nain de jardin. Hein.
C'est un petit, c'est un petit bonhomme. S'il fait 1m40, nous on fait 1m combien là? Sérieusement? Ah, c'est pas si par rapport que quand on le trouve en sauvage, ouais, j'avoue. On a une tête de plus que lui. Même pas. Ouais, même est-ce pas. Est-ce qu'il compte les oreilles ou pas? Est-ce qu'il compte les oreilles? Parce que s'il compte les oreilles aussi, on n'est pas plus haut. Hein. Ouais, j'avoue. Bon, le deuxième dresseur, moi, il est battu, donc il y a gauche à droite où passer. Ouais, je vais aller à celui qui est en costard là. Ouais, je pense que c'est ce que j'ai pensé parce que. Nestor l'employé veut se battre. Envoie un Dimoré. Hop. Du coup, voilà comment elle est l'évolution de. De je sais plus comment il s'appelle. Dragon avec un nom bizarre. Ouais, mais maintenant je sais qu'il s'appelle Lansorien. Ah, l'évolution finale, ouais. Elle est belle. Maintenant, c'est plus du tout le même Pokémon. Hein. Il était lent un petit peu, tout ça. Maintenant, il est assez rapide. Tu m'étonnes. Maintenant, je sais même plus combien il a de vitesse, mais elle a bien augmenté. Merde. Spectre, ça fait mal. Sur le quoi? Psy. Je crois que c'était plus ténèbre, non? Ah, ça, je. Bah, attends, je vais directement chercher Kaorin. Parce que j'ai une attaque morsure, mais sinon j'ai Balombre, donc. Ouais. Je pense que ce sera peut-être mieux Balombre au final, quoi. Parce que ouais. Morsure. Ouais, ça fait du x2 aussi. Ouais, mais c'est vrai que dans ces deux cas, vu son double type, je pense, peut-être mieux Balombe, non? Ouais, non, c'est juste que j'ai regardé, je préfère regarder et être sûr. Ouais. Pour le one shot. Tu m'étonnes. Non, non, laisse-moi! Au secours! Je me fais courir par un farfudé. Farfudé. Oula. Dimoré, non? Farfuré, je veux dire. Ouais, et cours vite ce con. Franchement. Ouais. Voilà, attends. Alors, Lansorien, résumé. Il a maintenant une vitesse de 166. Ouais, il a une bonne vitesse, j'avoue. Avec une baisse de défense. Avec une baisse de vitesse. Il a 166 avec une baisse de vitesse et une hausse de défense. Bah ça va. Ça va honnêtement, il est pas mal parce que honnêtement dans toutes ses stats il est... Je prends par exemple... Salarsten qui est au niveau 60 aussi. Ouais il a de bonnes stats, hein, l'en sort rien. Il a de bonnes stats. Tu m'étonnes. Par contre, on va aller lui donner des bonbons. Dynamax, j'ai oublié de le faire. Voilà. Alors, lui aussi en donner, lui en donner aussi. Voilà. Oh merde. Le banc Sonic, ça fait mal. Ensuite. Voilà. Voilà. Bon, hop, on va continuer la route. On peut se faire agresser par un. Ouais, ça va, c'est un Blizzy qui a spawn. Ah là là.
Il envoie Corvaeus, c'est ça? Ouais, lui il a un Corvaeus, celui qui a Corvaeus. C'était obligé, c'était un chauffeur de taxi. Ouais, Corvaeus, après, si je dis pas de conneries, celui qui a Corvaeus, il a. J'allais dire Libégon, mais je suis pas sûr que c'est lui qui l'a. Moi je vais te dire ça, de toute façon, je suis avec l'Ansorien donc. S'il a Libégon, je vais me le faire aussi. C'est pratique, hein, le casque brut. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, c'est lui qui a Libégon. Ok. Moi, je m'étais pas trompé. On va tester son attaque signature. Dragon sur un dragon. Un draco flèche. Ça fait mal. Ok. Ça a pas une grosse puissance, mais ça peut faire mal. Bah, donc, ça touche deux fois. Ouais, avec une puissance de 50. Si, ouais. Si c'est pas un combat double, ça touche deux fois. Ouais. C'est pour ça que ça peut être pas mal. Et si c'est un combat double, il touche les deux. Ah d'accord, il y a un polagriffe ici. Ouais, si tu veux mon gars. Moi je te fais pas de câlin. Pas... Oh là. Non, au revoir. J'ai vu le polagriffe, j'ai fait au revoir. T'as vu qu'il y avait un facteur qui était caché à côté du mec avec le Corvaeus. Hop, oh, non, j'ai pas fait gaffe. Ouais, tu mets un Salarsen, tu le défonces. Il n'y a que des Pokémon qui craint la foudre. Hatsakuda. Ah super. Il fait valser. Ça joue piège de roc en plus. Ballon. Petit coquin. De quoi l'autre avec son gigalith? Ouais, moi il a fait piège de roc. Ça joue, petit couillon! Ah. Non, moi il vient de faire éboulement. Ah, il a pas le temps, moi je l'ai one shot avec l'aqua brèche. S'il a même j'ai pas la fermeté. Avec... Enfin, j'ai two shot. Normalement, je le two shot avec ballon, moi. Ouais. Ah, il va prendre manier contrôle. Non. Rhinophérence, ouais bon bah je vais pas rester non plus à rien faire non. Donc j'ai envoyé mon... On va faire un de nouveau un Aquabrèche contre Rhinophéros. Oh putain c'est trop fort. C'est abusé. Hop, Aquabrèche. Voilà. Ça c'est fait. Vu qu'il y a plein de dresseurs pour nous faire monter, ça se trouve c'est la fin. Alors, Dalou Macho de Galar. Type glace. Donc ça serait compté comme une route victoire, ça. C'est ça. Mais ce serait assez rapide. Bon, actuellement, moi je trouve que dans les dernières versions, plus ça avançait dans Pokémon, plus c'était court. Donc. Bah, honnêtement, il n'y a pas eu de longue. Route victoire. Ouais, c'était parce qu'au tout début on avait commencé à jouer sur rouge et bleu, qu'on s'était paumé, c'était pour ça qu'on l'a trouvé longue. Ah. Non, rouge et bleu, y a la route victoire, ça allait. Dans rouge et bleu, les premières versions. Dans or et argent aussi. Le pire, ça a été. Ça a été dans... Putain, comment il s'appelle? Pour moi, je crois que c'est Sinnoh. Pour moi, c'est Sinnoh le plus grand... Non, j'allais dire peut-être celle de noir et blanc. Enfin, peut-être que je confonds non, celle de... celle de noir et blanc, ça va, elle est assez simple. C'est pas non plus un...
C'est pas un... Comment? C'est pas un labyrinthe. Tu t'y retrouves assez facilement. Tu sais qu'il faut monter... et descendre. Non, je dois confondre avec une autre, faudrait que je regarde, celle que j'avais trouvé longue, moi. Bon, ça m'a pu. Et clairement, je l'ai eu dans Luc. Ah, fouf. Ouais, j'ai coupé mon micro pour éternuer. Krakos. Krakos? Krakos. Krakos. Ok, d'accord. Krakos, c'est le poulpe, ouais. J'ai bien fait de pas changer. Hop. Marteau point, hop. Moi je me suis servi de la banque Sonic, je me suis pas emmerdé sur ce coup là. Ouais mais Pandarbar, marteau point, il a une... une nature, une capacité... Enfin son talent c'est pour augmenter les trucs, les attaques au coup de poing, tu vois. Donc c'est nickel. Hop, on va le soigner un petit coup là. Hop. Par potion, foutre une petite potion là. Lui, on va le ramener. Oh, petit Igolta là, vilain Igolta. Seulement pour qu'il ait de l'XP. C'est un combat double dessus là. Les deux journalistes là, ouais. Ils ont l'air d'avoir deux Pokémon chacun. Ouais, c'est ça. Ouais, bah je vais rester comme ça. Attends. Je vais plutôt envoyer Corvallus. Corvallus et Lansorien. Oh là là. Faut que j'essaie de trouver un mouchoir, faut que je me mouche. Ah là là. Les joies de l'hiver. C'est clair. Les joies de l'hiver, les joies de l'hiver. Ah bah bizarrement t'as mis un coup critique à mon pire but avec ton Bank Sonic, couillon. Mais pas Igolta, hein. Pas tard. Enculé. Ah le petit couignon de sa maman. Ouais. M'en fous, on a le droit de dire les mères là. Il m'a à ce point là. Ah là c'est sa mère lui. Sa mère l'hypocrite. Allez mon petit prédastéry. Alors. Le petit la bouffe. Bouffe un petit peu là. Voilà. Elle a voulu... Ah ah. J'ai oublié que j'avais mis ça. S'attaquer à l'autre là. Sauf que j'ai envoyé ça à Larsen. Ça lui fait rien les attaques électriques. Ok, 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 ok. Ah ouais, là c'est Larsen contre eux, c'est la chiotte. Donc là oui. C'est la chiotte de ces chiottes. Parce que j'ai envoyé ça à Larsen, mais ça leur fait presque rien le poison. Non. Du coup, au final, il y a que. Bah, Lansorien qui peut faire le taf. Parce que j'ai la flemme de refaire un switch. Tu m'étonnes. Oh, j'étais brûlé avec l'ébullition, mon petit cochon. Leur dernier, c'est même pas un type électrique, c'est un dragon. Bruvirène. Ah Bruviverne. Hop. Tac. Tac. Hop. Le temps de l'animation, je reviens, je vais aller chercher un mouchoir. Vas-y.
Bon bah voilà les amis, on va continuer à monter. Mais je sens que c'est la fin là, je sens que... Voilà, mort, voilà, hop. Ouais, j'avais raison depuis le début, simplement. Ah, il a envoyé un bruit verne. J'avais raison depuis le début, sa mère la flûte. C'est oh, bien, bah, c'est bien la fin de la route, hein. Voilà. Voilà, hop. Bon, vu qu'il y a un changement déjà de... Ouais, c'est un changement de zone, donc je suis juste devant la porte. Double. Ouais, c'est la fin. Putain, déjà. Donc, j'attends juste devant l'entrée parce qu'il y a une zone qui va changer. Ah ouais, ok. Alors... J'ai fait ça. C'est bon. Je suis en train de monter. Oh putain! Par contre, c'est beau. Par contre, j'aime bien. C'est très très oh, beau. Quand t'arrives comme ça là, c'est stylé. Oh! Y a des bleuzeilles qui passent. Bon, par contre, le clipping, tu le vois. Ouais. Et y a un changement de climat de taré aussi. Ah, ouais, ça me fait penser au vieux climat, tu vois, qu'ils font voir dans Bienvenue chez les Ch'tis. Là. quand ils voient le panneau Nord-Pas-de-Calais et qu'il commence à pleuvoir. C'est ça. Winscore. Ah, t'es rentré? Ouais. Ah, c'est moi, en fait, j'attendais l'entrée, moi. Oups. Ouais, c'est pas grave. Alors. Ouais, c'est très très beau. C'est joli. Alors. C'est vrai que c'est magnifique. Y a pas à dire, c'est vraiment. Bon, vu qu'on est des dresseurs qui veulent faire la ligue et tout. Tu me dis quand t'es au texte. Hein. Tout est gratuit, hein. Ah, ouais, regarde. En tout cas, ça se voit que le Pokémon Fard. Enfin, vraiment, entre guillemets, symbolique. C'est Mini Sange, Bleuzeille et Corvaillus. Ouais, tu vois avec les statues. Et c'est bon, ouais, j'ai le texte. Ça y est, on est au Winscore. C'est ici que je vais rentrer pour de bon dans l'histoire en devenant maître. Perso, je fonce direct au stade de Winscore. Tu devrais faire pareil, Amiral. On est là pour ça, quand même. T'inquiète, mais moi, il y a centre Pokémon avant ma biche. À moins que je pense pas qu'ils ont régène entre la cinématique. Hein. Je pense pas. Hein. J'ai envie de te dire clairement. Ça m'éviterait de faire le chemin. Non. Il y a le centre Pokémon, mais il y a aussi les trucs de vêtements. Donc, je vais aller voir les trucs de vêtements. Ah ouais. Comment dépenser sa thune en peu de temps. Vêtements. Hop. Allez, tiens mes Pokémon et soigne-les-moi, s'il te plaît. Merci, madame. Au final, j'avais dit que j'allais les changer, Pandarbar, mais au final, je l'ai toujours pas changé. Bah, il était toujours autant utile. Ouais, tu m'étonnes. J'ai beau activer le réseau pour voir s'il y a des gens qui font quoi que ce soit, et j'ai quasi rien à gauche. Alors, attends. Alors. Les vêtements, c'est... Ah, c'est là. Ah, moi aussi, je cherche le vêtement. Au milieu, ça devrait. Alors, bonjour madame. Ouais. Ils sont où les vêtements, bande de bichettes? Ils ont pas de t-shirt. Ok, d'accord. Mais arrête de me kéblo! Bâtard. Ok, d'accord. Eh, le vélo, des fois, j'ai envie plutôt de le défoncer. Je te jure. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment le vélo en mode il pue la merde quoi. Il prend trop de place. Ok, d'accord. Ah, vous avez chopé graine herbe. Ok. Bon, moi on veut changer aussi de vêtements les amis, on va essayer de voir où il c'est. Allez go. Oh. Bah, s'il l'a trouvé rapidement, c'est que c'est dans les débuts. Moi au milieu je dis que c'est la gare là. On va regarder, mais je pense que c'est la gare. C'est pas dans la gare. C'est sur la gauche. Non mais c'est bien ce que je pensais, non mais ce truc du milieu ça veut dire de tout est une gare. Obligé. Oh, on va, allez, on va prendre, attends. Non, j'aime bien le sac en mode... Le sac de voyage en cuir. Sabelette.
Voulez-vous le porter? Oui. Madame, je vais péter mes sous comme un gros pigeon. Merci. Des bérets. Ah, mais c'était parce que c'est ma jupe qui fait défaut. Faudrait que je change un peu. Les lunettes sont cheloues. Y'a des gants? Ah ouais, mais c'est des gants... Pantalon cuir noir. Des gants kitsch. Yeah, 120... Eh, ça on met. Quoi? 96 000 poké-dollars? Mais ta mère? Pas du tout. Même pas, j'achète ça. De quoi 96? J'ai un pantalon en cuir noir, 96 000 poké-dollars. Bah, même pas, j'y touche. Mais de quoi 96 000? Un pantalon en cuir noir. Ah ouais? Ah ouais? Je fais même pas t'y touche, ta mère. Bon, je vais me dire, j'ai acheté le sac qui coûte 89. Wow. Bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai 514 000. Ah oui, t'as vachement ce qu'il faut, oui, c'est sûr. Donc j'ai ce qu'il faut au niveau... Moi j'ai 317 000. C'est vrai, j'ai même pas revendu les pépites, tout ce que j'avais en... je sais pas combien de fois. Ah oui, bah ça c'est... ça te fait faire des... Ouais, donc là c'est le coiffeur. Ouais. Donc le stade de Winscore, il est à droite, les amis, là-bas. Ouais, il y a un grand chemin à droite. On peut pas écraser les gosses. Non. Voilà, il y a encore un truc avec un gros Corvaus. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Bon, tu me diras quand tu seras prêt à voir rentrer dans ça, tu me le dis. Je balade aussi. Ouais, par terre, j'ai trouvé de la boue noire. Ouais, j'ai pas encore fait tout le... tout le machin. Par contre, les CT, point de feu, point de glace, point éclair, vampire point, lame solaire, ultra laser, giga impact... Ouais, tranquille. De quoi? Juste devant le stade? Au Pokéstop à gauche du stade. Oh putain, attends, j'arrive. Il y a plein de CT que tu peux acheter. Bon, il a trouvé une boue noire, les amis. On va la chercher, la boue noire. Il me la faut pour mon crapustule. Il est déjà assez dégueulasse comme ça, mais il faut de la boue noire. Il est de type poison. C'est uniquement pour les poisons, la boue noire? Ouais. Ah ouais? Ah bah c'est pas celle-là que je veux alors. Pour lui, c'est quoi alors? Attends, je vais te dire ce que ça fait, attends. Allez. J'arrive pas à aller dessus. Oh, c'est bien ça quand tu vois marqué sur la liste quand tu le récupères pour le poison. Noir, objet à tenir, restaure peu à peu les PV des Pokémon de type poison, inflige des dégâts à tous les autres types. Ah, attends, je crois que c'est pour lui que je voulais. C'était pour mon Predastéri. Mais oui, pour toi la boue noire, ma cochonne. Bah oui. Comme ça, je te retire les restes. Bah merde. Parmi tous les restes que j'ai. Bah moi y a aucun stand qui veut me... Non mais moi c'est dans le... c'est à gauche. C'est dans le centre Pokémon, comme j'ai dit. Un centre Pokémon? Ouais, le... Et tu vois deux mecs habillés en bleu, c'est celui de droite. Il te vend plein de trucs. De taré. Ah ouais, avec des capsules techniques. Ah non, putain. Juste avec les Pokédollars. Point feu, point glace, point éclair, vampi point. Lame solaire. Ça me dit rien, tu vois. C'est une attaque plante, mais avec 125 permis de vitesse, puissance. Permis gaz, permis force. Non, mais ici, c'est le bonheur. Hein. Par contre, elle coûte un. Mais c'est le bonheur. Wow. Ah non, mais ici, c'est le bonheur. Bon, ça m'étonne même pas, c'est la fin. C'est où il y a la ligue. Donc... Voulez-vous acheter le point glace? Oui. Acheter nos produits, produits dérivés. Bah oui, quand je te clique dessus, tu veux rien me vendre. C'est un peu non, c'est un peu con. Je pense. Équipé. Alors attends.
tu me dis qu'il peut pas la prendre, je suis abattu. Finalement, je pense que je vais garder. Tu vas garder quoi? Pan d'espier, pan d'arbar. Ah ouais? Je vais le garder, à mon avis. Il va beaucoup te servir alors au final. Au final, ouais, il va vraiment me servir. Bon, ouais, je vais aller devant le stade comme ça, attendant. À moins que si je monte, ça me fait un texte. Ou pas. Ah, tu savais que Pandarbar pouvait apprendre surf? Quoi? Bah, quoi que, ouais, j'ai envie de te dire, l'aviateur peut apprendre tonnerre. Cherche pas la logique. Qui c'est, l'aviateur? Il peut apprendre l'attaque tonnerre. Cherche même pas la logique dans le jeu. Ouais, bah après, dans le dessin animé, il en produit des orages. Ouais, voilà, mais. Ouais, après, il y a des Pokémon qui sont. Il y a des oiseaux qui peuvent pas. Il y a des oiseaux qui peuvent pas voler. Et il y a des Pokémon qui ont pas d'ailes qui peuvent voler. Donc. Ou il y a un Pikachu qui peut voler et surfer. Mm. Donc, s'il te plaît. Des fois, oui, je te dis, dans mon avis, il y avait des bonnes rails de coke hein, quand ils ont pris leur Pokémon. Hein. Je te le dis, moi. Tu m'étonnes. Alors, bienvenue, Challenger. Bon courage pour vos combats. Je vais pas rentrer, je lis juste qu'ils disent des deux couillons. Ok. Quand t'es devant le stade, tu me le dis. Ouais, j'arrive. J'étais perdu dans mes CT en train de regarder. Ah, mais vas-y, fais tes CT, hein, t'inquiète. Gens... Hein. Vas-y. Hein. Non, j'étais juste en train de regarder les CT pour m'amuser, voir ce que les Pokémon peuvent. Ok. Peuvent apprendre. Je vais juste m'acheter quelques autres potions là. Oh, c'est ouf! Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Oh my gosh! Ah, puis la musique! Ah! En fait, tu peux rentrer dans stade sans activer un seul dialogue. Donc, c'est nickel. C'est nice alors. Ouais, à mon avis, si par contre tu vas au comptoir, il y a Nabil. Donc, tu peux me dire quoi, Rosemary? Ça y est, on a enfin bouclé le défi des arènes. Et en plus, que de 4 en lice pour le tournoi des médailles. Mais c'est moi qui vais gagner. C'est moi qui affronterai le maître. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus que 4. Rosemary. Tu savais que maintenant, même si t'achetais des Hyper Balls, ils te donnaient des Honor Balls? Avant, c'est pas uniquement pour les Poké à l'époque, non? À l'époque, si, c'était que les Pokéballs. Ah, c'est bien ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai acheté souvent que des Pokéballs. C'est vrai que. Je sais pas, je viens d'acheter 15 Hyper Balls, vu que j'en avais pas acheté. Bon, hop, je suis en train de monter. Vas-y, tu peux rentrer. Ça lance pas de dialogue. Je fais juste une petite sauvegarde devant. Ah, mais c'est trop bien fait. Voilà. Ah, c'est stylé de ouf, franchement. Eh, je surkiffe sa mère, les amis. Ah, je suis en kiff à mort, là. Putain. Avec les tableaux et tout. Qu'elle disait quoi, Rosemary? Qu'elle disait qu'on avait bouclé, en gros, le défi des arènes. Et qu'on était... Maintenant, il restait plus que 4 personnes. Comme par hasard. Ah, bah... Notre perso principal, Nabil, elle... Et à mon avis, le quatrième, c'est qui, alors? Parce que je pense pas que Travis fait partie. Vu qu'il a été viré. Travis, il va en faire partie. Bah, sinon, je vois pas qui est peut-être le quatrième. Ouais, je vais vers Nabil. Mais je vois pas qui est peut-être le quatrième. Bah, il y a Nabil, il y a Rosemary, Travis, c'est obligé. Et bah, notre perso après. Et notre perso. Ouais, mais ça me fait bizarre pour Travis. Hein. Je sais pas. Ouais, mais Travis, c'est obligé. Bon, hop, je suis en train de parler à la réception. Ouais, bienvenue, Dreagan. Nous avons suivi votre performance tout au long du défi des arènes. Permettez-moi un instant de vérifier votre collection de badges. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis prêt à t'affronter. Par contre, je crois que Travis ne sera pas de la partie. Tiens, je pense pas. Ça reste à voir. Quelque chose me dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ouais, c'est sûr, mais ça me ferait trop bizarre. On verra bien. Viens, allons poser nos affaires au vestiaire. Je suis sûr qu'on va le voir. Tous les challengers qui ont réussi le défi des arènes face aux champions participent au tournoi des médailles. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vous rendre sur le terrain du stade. Bah allons-y. Oh, c'est trop stylé. Franchement, ça fait comme si tu participais à un match. Attends, et tout, c'est trop bien fait. Je suis en train de regarder un petit peu. Ok, bon bah moi je suis rentré, mais il y a le couloir avant, donc ça va. Donc je peux attendre. Si. Mais c'est vrai que c'est beau. Franchement, ah, c'est bien fait.
Bon, attends, je me dirige vers le truc. Allez. C'est Dans stylé. le couloir? Je suis dans le couloir. Ok, bah vas-y, on avance. Oh mon Dieu. Donc La taille du stade. Rosemary. Ok. Ah non, c'est notre premier Ça adversaire. ira. C'est la première adversaire. Hein, je savais que tu raflerais tous les badges et qu'on se retrouverait ici. À base, je me suis inscrite au défi pour mon frère et pour Smashing. Mais au final, c'est surtout pour moi-même que j'ai envie de devenir maître. Dans ton équipe, donc ton équipe et toi, je vais vous remballer presto. Enfin, gentiment quand même, hein. Elle a trop la confiance, elle. Ouais, mais elle a dit gentiment, donc ça se discute. Ouais, mais quand même. Oh, il est trop stylé. Oh là là. Allez, let's go, les amis. Je vais te Je battre vais te battre et devenir. et Oh devenir là là. maître. Elle a toujours le petit sourire tout mignon. T'as pas envie d'y en vouloir. Non, elle, ça va. Oh non, elle se la Mais pète pas. très vite, il va être en lice, hein, ça c'est sûr. Donc il y a des Gigamax. Elle aussi, elle va en faire un. Donc peut-être Morpeko Gigamax. Tu penses Morpeko? Bah c'est sa mascotte quand même. Ouais. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je vais pas la laisser. Je vais pas la laisser setup, l'autre elle est en train de faire machination. Hop, marteau point. Au revoir Léopardus. Au revoir sa team basée sur le ténèbre. Tu m'étonnes? Je vais lui niquer avec Pandarbar. Hein. Je vais tout lui niquer. Ah bah Gaïd. Le seul truc qui me fait flipper, c'est que Bagaïd il risque d'être plus rapide que mon Pandarbar. Ouais, moi je sais que le mien, le starter, Ouais. bon, il est très rapide, donc c'est vrai que. Et Oh s'il fait le con! mâchouille? Oh le con! Pourquoi? Il m'a fait vantardise! Mais Pandarbar, j'ai confiance en lui! J'ai plus Ok, confiance en lui. Nick. le troisième, je l'adore. Je voulais avoir confiance en lui pour. Oh! Oh si! Oh Pandarbar! Oui! J'ai confiance en toi, Pandabaro. Oh! Oh, elle m'a fait un coup bas. Bien joué, bien joué. Pandarbar, le barbare, le plus grand de tous. Elle nous envoie qui? Morpeko. Donc, en cas où, t'as Morpeko. Tu sais quoi, en cas où tu peux faire des attaques aussi électriques, je te mets Par un contre, crapustule. elle connaît que Vantardise, c'est fou. Elle arrête pas de me vantardiriser là. Vantardiriser. Putain. Pandarbar. Je pense pas qu'elle va Panda. Dynamax Morpeko, donc on va même pas Dynamax. Non, elle Dynamax pas. Pandarbar qui fait le taf. What the fuck? Petit couillon de ta mère. Cordialement. Pandarbar qui fait le taf. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh putain, Nick. Oh! Mais c'est quoi ces blessures de confusion? Ah, là, encore un autre Pokémon après Morpeko. Ah! Attends, on m'ex. Ah! D'accord. Ah ouais. Ah oui. Ah, je vois la méga évolution que tu. Enfin, je vois le même Gigamax. Elle va même pas mettre un Dynamax, elle va mettre un Gigamax. Oh putain. Non, mais on en parle du truc qui vient de se passer là? Ici, hein, la tignette est avec moi. Je vais gagner, tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la confusion de malade! Tu veux dire le contre-coup? Le contre-coup, il m'a foutu la moitié de ma vie. Ah ouais, quand même. Il m'a foutu la moitié de ma vie et il m'a tué Pandarbar. J'avoue, hein.
Je pense que tu vas dynamaxer. Je vais faire pareil, ma biche. Oh, pauvre Morpeko, là, c'est mort. Angoliath. Ouais. Angoliath. Version finale de Grim Malin. Mon frère veut pas l'utiliser, mais pour gagner, moi je n'ai pas le choix. Ouh. Gigamax. Ouais, c'est ce que je disais. C'est un Gigamax et pas un Dynamax. Oh, mais c'est ultra bien ça. Vas-y. Mais c'est ultra bien. Vas-y. Oh, la Gigamax d'Angoliath est tellement sublime. Vas-y. Y a pas de souci. On en parle d'Angoliath qui fait quand même. Il dépasse le stade. Ça devient. C'est un géant. Un Jojo. C'est un géant. C'est un truc Jojo, tu vois. Il me fait penser à un truc que Jojo pose, tu vois. Ah non, mais vas-y, y a pas de souci. Envoie Angoliath. Y a pas de souci. Je t'envoie ça à Larsen, moi. N'oublie pas que c'est un type fée. Salarsen, il va rester sur le. Il va rester sur le terrain. Il va lui envoyer une bonne attaque poison Dynamax là. Du bon petit x2 de ses morts là. Oh putain, il a quand même fait une hyper potion ou une potion max ou une guérison sur son Angoliath. Ah ouais. Il a vraiment l'air d'un truc de Jojo quoi. Jojo's bizarre. Ou des méchants dans les animés. C'est ça. Hop, j'ai one shot Angoliath. J'ai one shot Angoliath Dynamax. Son attaque signature contre, est magnifique. La question qui se pose, c'est est-ce que ça. Est-ce qu'il les soigne? Oui, parce que moi il l'a soigné, je l'ai pas pu le terminer. Oh, Salarsen, comment ils se vantardisent d'avoir battu Rosemary. Oh, je t'attends, j'ai fini le combat. Ouais, pareil, là il va être terminé. Oh, comment il se la pète. Je te jure, mon Salarsen. Ouais, il fait du style la guitare et tout. Alors, tu m'as non, mis le une... pire, c'est que... Le pire quoi? Ouais. Non, mais le pire, c'est quand il est revenu à sa forme normale, le mien, il se tient d'une façon, tu vois, à te regarder un peu de haut, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, c'était différent des modes. Aigu et grave, ouais. Tu m'as mis une de ces raclées. J'avoue, tu te débrouilles. 7000. Comment je t'en ai mis plein, mec. Ok. T'as vu ça? Un peu. Tout le monde nous regardait. Et les cris de soutien des supporters, ça fait plaisir. J'ai perdu, ouais, c'est la vie. Mais bon, on a grave mis le feu. Moi je dis, on a assuré. Je vais rejoindre mon frérot dans les gradins. J'ai hâte de voir qui terminera devant le maître. Faut que je me fasse une idée des autres challengers. Je sais pas encore qui je soutiens. Toi, peut-être? À voir. Ouais, c'est ça, va soutenir Nabil. Voilà, c'est ça. Bah tiens, quand on parle du loup. Amiral, rendez-vous au dernier round. J'ai maté ton combat et je suis sûr de gagner. Tu peux pas test contre mon équipe. Oh, il est chaud, lui. Il va se calmer son sgag, le mec, je vous le dis. Je rigole, il se retrouve contre Travis. J'avoue. Toutes mes excuses. Mais je sais que vous venez à pas donner, mais le combat précédent a tourné court. Challenger Nabil a vaincu son adversaire à la vitesse de l'éclair. Si vous pouviez regagner le terrain de combat au plus vite pour enchaîner. Quoi? Et c'était qui? Qui c'est qui s'est fait dévancer par Nabil Amdoula? Bon, ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on. Ouais, autant on arrête ici parce que sinon. Ouais. Parce que si ça s'enchaîne. L'épisode. Ouais. Ça fait déjà 45 minutes. C'est ça. Alors attends, je voudrais regarder si l'équipe. L'équipe elle est soignée, ouais. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ouais,
Bon les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai surkiffé ce moment-là, mais je surkiffe aussi. Ah, truc de ouf, on surkiffe de ouf là. Donc, on va se laisser là. Ça va être ouf. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, hein. Que ce soit notre cher ami Amiral 669 ou Dragon 69, nous deux on va défoncer Tarlac et on va lui mettre un tac tac bing bing, tu vois. Voilà. Bon, ben n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Épée et Bouclier. Ciao ciao tout le monde. Ciao ciao.